But I went out west instead.
Seigneur, te disons merci une fois encore pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Il y a un Dieu dans les cieux. Notre Dieu n'est pas une marionnette. Notre Dieu n'est pas un féticheur, mais nous servons un grand Dieu qui nous a gardé encore, qui nous a accordé cette grâce d'être ici encore présent. Nous allons le louer encore ce soir, que son nom soit glorifié et que toute personne qui regarde ce direct soit bénie. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bonsoir les amis, soyez les bienvenus sur notre émission Réveille-toi. Que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais saluer ceux qui sont en direct en ce moment. Je salue le frère Sylvestre de Puy, tout qui nous regarde, le frère Timothée au cou. Que le Seigneur vous bénisse. Ce soir, nous allons beaucoup danser. Dis à ton ami que est-ce que tu es prêt pour danser. Ce soir, nous allons danser pour la gloire de notre Seigneur. Identifie quelqu'un, partage ce direct, ça va faire du bien à quelqu'un. Nous allons danser avec un son merveilleux. Il s'appelle, c'est le frère J.F. Ifong Fit Frère Landou Pembele. Nous allons danser avec une bonne rumba qui glorifie notre Dieu. La régie, que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes prêts pour ce soir? On y va.
Alléluia. Je sais que vous êtes en train de danser aussi pour la gloire de notre Seigneur. Il est bon de danser, il est bon d'être dans la joie, dans la présence du Seigneur. Ce soir, nous allons continuer de danser parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. On va encore au Congo. Il s'appelle Teddy Disso dans Nalingakayo. Je t'aime. C'est un lingala. On ne t'aime pas. Nous ne sommes pas ici pour parler de l'amour d'une femme ou l'amour d'un président, l'amour de quelqu'un. Non. Nous sommes là pour parler de l'amour de Jésus. Dans ce plagoire du Seigneur, n'oublie pas de partager cette émission. Ça va faire du bien à quelqu'un. La régie, nous allons danser encore avec Teddy Disso dans Je t'aime. On y va. Seigneur, nous sommes là pour danser pour la gloire de
la gloire, pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Il est bon d'être loué, il est bon d'être élevé, notre Dieu. Ce soir, sans tarder, nous allons partager la parole du Seigneur, comme d'habitude. Le thème de mon message ce soir, Jésus, la dernière solution. Quand nous avons des soucis, quand nous avons des problèmes, qu'est-ce que nous cherchons d'abord? Nous cherchons la solution, les solutions à nos problèmes. C'est pourquoi l'homme, à chaque fois, l'homme a un souci, il essaie de chercher une solution à son souci, à son problème. C'est pourquoi nous voyons les gens quand ils sont malades et ils parlent, je souffre d'une maladie. La personne qui a déjà souffert de cette maladie va dire, je connais un docteur. Ce docteur, il a la solution. Je connais quelqu'un tradit, praticien, qui m'avait guéri de cette maladie. Il a la solution. Et nous voyons aussi quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, à qui on lui parle toujours de Dieu. Dieu, il a envoyé son fils. Crois en Dieu, abandonne-ci, abandonne ça. Non, moi j'ai encore le temps. Laissez-moi faire ma vie, laissez-moi faire ceci. Quand ce dernier a été frappé par un malheur, il va commencer à chercher des solutions chez les marabouts, à gauche, à droite, partout. S'il n'arrive pas à trouver ces solutions, il va se retourner maintenant face à Dieu. Ou il va commencer, quelqu'un qui n'a jamais mis pied à l'église, il va commencer à chercher des églises, des hommes de Dieu pour avoir la solution. Nous allons lire dans la parole de Dieu, dans le livre de Matthieu. Je vais demander à la régie de nous lire rapidement. Matthieu chapitre 9, versets 20 à 22. Et voici, une femme atteinte de perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Car elle disait en elle-même, « Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. » Jésus se retourna et dit, en la voyant, « Prends courage ma fille, ta foi t'a guérie. » Et cette femme fut guérie à l'heure même. « Prends courage ma fille, ta foi t'a guérie. » C'est une histoire extraordinaire. Une femme qui souffrait pendant 12 ans de la perte du sang. Nous savons tous comment ça se passe chez les femmes quand elles sont dans leur menstruation. Les femmes souffrent beaucoup. Il y a d'autres, c'est comme une maladie pour elles. Chaque mois, elles doivent traverser ce moment. Et maintenant, nous avons quelqu'un qui souffre de la perte du sang pendant 12 ans. Cette femme coulait du sang tous les jours. Le sang sortait de cette femme. C'est une situation désagréable. Cette femme a beaucoup souffert. Je suis sûr que cette femme a dépensé tout ce qu'elle avait pour avoir la satisfaction, mais elle n'a jamais eu la satisfaction. Cette femme a cherché à être guérie par les marabouts. Elle a dépensé tout ce qu'elle pouvait pour être comme tout le monde, mais jamais. Mais un jour, Jésus est en train de faire des vagues de miracles. Et Jésus passait avec cette foule, avec une grande foule. Et cette femme a pris une décision. Elle a dit, si je pouvais, alléluia, dire à quelqu'un, si je pouvais toucher l'habit de Jésus. Elle n'a même pas dit si je pouvais toucher le corps de Jésus. Elle a dit, si je pouvais toucher son habit, je serais guéri. Sa femme a posé un acte de foi. Un acte de foi. Elle n'a même pas cherché à dire, à demander aux disciples de Jésus une audience pour avoir Jésus, parce qu'on va la rejeter. Cette femme, je suis sûr, elle sera sale. Quelqu'un qui coule du sang en permanence, elle ne sera pas propre. On va la chasser. Mais cette femme a dit, j'ai souligné trois choses dans l'histoire de cette femme. La première, la foi. La deuxième, le courage. La troisième, la persévérance. Cette femme avait la foi et dit, si je pouvais toucher, je serais guéri. Nous allons demander à la régie, nous allons danser encore pour la gloire du Seigneur avec le groupe Glory dans Gloire, Gloire. On y va. Jésus-Christ est son nom parce qu'il régnera toujours dans mon cœur.
récemment parce que l'union a toujours dans nos cœurs. Adonai est le Dieu véritable qui a créé l'univers. Jésus-Christ est sans nom parce que l'union a toujours dans nos cœurs. Et toi, oh, 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 il est Dieu. Alléluia, notre Dieu, il est là, il est là, il est là. Je sais que vous êtes dans la joie aussi. Je nous continue notre enseignement. Cette dame a dit, si je pouvais toucher son habit, je serais déjà guéri. Donc, cette dame a fait tout possible. Elle a traversé la foule jusqu'à toucher le vêtement de Jésus. Jésus a dit à ses disciples, j'ai une puissance qui vient de me quitter là.
cet esprit de mer. Comment tu peux dire ça, maître? Avec tout le monde qui nous entoure ici, Jésus a dit oui, il y a quelque chose qui s'est passé. La dame a eu peur, mais Jésus l'a repéré. Il dit, ma fille, sois courageuse. Ta foi t'a sauvée. En réalité, Jésus n'a pas sauvé cette dame. C'est la foi de la femme qui l'a sauvée. Si Jésus ne te touche pas, dis à quelqu'un, si Jésus ne te touche pas, va le toucher. Parfois, il faut toucher Jésus, même s'il n'a pas envie de te toucher. La dame, Jésus n'a pas envie de toucher cette dame. Sinon, si Jésus réellement veut la guérir, Jésus ira la repérer. Il dit, femme, viens, ta situation de 12 ans, c'est fini. Mais la dame a fait un effort. Sa foi l'a poussée jusqu'à aller toucher les habits de Jésus. Et la Bible déclare, la perte du sang pendant 12 ans s'est arrêtée au même moment. Alléluia. Je déclare dans la vie de quelqu'un, ce soir, si, que peu importe l'année que tu traînes ton problème, tes difficultés, c'est qu'un jour, va toucher les habits de Jésus. Va toucher les habits de Jésus. Parce que Jésus est la solution. Il n'est pas quelqu'un qui a la solution. Les hommes de Dieu, peut-être ils ont la solution. Les marabouts, peut-être ils ont la solution en guérissant quelqu'un. Viens, je vais te guérir. Parce que j'ai la solution. Mais il y a une seule personne. Lui, il est la solution. Il a dit, je suis le chemin. Il n'a pas dit, je connais le chemin. Je connais la vérité qui va vous amener à la vie éternelle. Il a dit, je suis le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Que le Seigneur vous bénisse ce soir. C'est une grande joie pour moi de partager un moment, ce moment extraordinaire avec vous. Que le Seigneur continue de faire du bien dans vos maisons. Que le Seigneur continue de vous toucher là où que vous soyez. Que la main de Dieu continue de vous toucher dans tous les domaines de vos vies. Que le Seigneur vous bénisse. Thank you for watching this program. Thank you for your faithfulness. May God bless you. See you next week. Que la main de l'Éternel nous garde encore. Nous allons vous quitter, mais Dieu ne vous quittera jamais. La semaine prochaine, nous allons nous retrouver encore par la grâce du Seigneur. Soyez bénis chez vous. À bientôt. Bye. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps. De toute manière, que le Seigneur soit avec vous tous. Amen.